Bonsoir et bienvenue au Vaprologue, diffusé depuis la cathédrale Christ Church de Montréal. La cathédrale est l'une des rares églises en Amérique du Nord à proposer des chants de vêpres hebdomadaires tout au long de l'année, en reconnaissance de la place fondamentale de l'office quotidien dans notre identité et notre héritage anglicain. Dans cette longue période d'isolement et de distanciation sociale, nous continuons à explorer des moyens d'engager nos musiciens pour enrichir non seulement notre culte, mais aussi la vie dévotionnelle et culturelle de notre communauté. Bien que le format de ce service soit, au moins en partie, non conventionnel, nous vivons à une époque non conventionnelle. En tout temps, nous sommes invités à nous tourner vers le Dieu dans la prière, en portant devant Dieu les préoccupations de notre monde et de nos cœurs. As it was in the beginning.
Notre première lecture, tirée du livre d'Ezra, raconte comment le peuple hébreu a commencé à reconstruire sa patrie après une longue période d'exil et de dislocation. When the seventh month came, and the Israelites were in the towns, the people gathered together in Jerusalem. Then Jeshua, the son of Jozadak, with his fellow priests, and Zerubbabel, son of Shealtiel, with his kin, set out to build the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings on it, as prescribed in the law of Moses, the man of God. They set up the altar on its foundation because they were in dread of the neighboring peoples, and they offered burnt offerings upon it to the Lord, morning and evening. And they kept the festival of booths as prescribed, and offered the daily burnt offerings by number according to the ordinance, as required for each day. And after that, the regular burnt offerings, the offerings at the new moon, and at all the sacred festivals of the Lord, and the offerings of everyone who made a freewill offering to the Lord. From the first day of the seventh month, they began to offer burnt offerings to the Lord. But the foundation of the temple of the Lord was not yet laid. So they gave money to the masons and the carpenters, and food, drink, and oil to the Sidonians and the Tyrians, to bring cedar trees from Lebanon to the sea, to Joppa, according to the grant that they had from King Cyrus of Persia. In the second year after their arrival at the house of God in Jerusalem, in the second month, Zerubbabel, son of Shealtiel, and Jeshua, son of Jozadak, made a beginning, together with the rest of their people, the priests and the Levites, and all who had come to Jerusalem from the captivity. They appointed the Levites, from 20 years old and upward, to have the oversight of the work on the house of the Lord. And Jeshua with his sons and his kin, and Kadmiel and his sons, Binui and Hodaviah, along with the sons of Henadad, the Levites, their sons and kin, together took charge of the workers in the house of God. When the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestments were stationed to praise the Lord with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, according to the directions of King David of Israel. And they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever toward Israel. And all the people responded with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. But many of the priests and Levites and heads of families, old people, who had seen the first house on its foundations, wept with a loud voice when they saw this house, though many all shouted aloud for joy, so that the people could not distinguish the sound of the joyful shout from the sound of the people's weeping, for the people shouted so loudly that the sound was heard far away. Here ended the reading. Thank you.
Our second reading from the letter of Paul to the Ephesians celebrates the action of God, who has broken down all our false divisions of race, religion, and culture, and united humanity in one people through the grace given to us in Jesus Christ. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous que les juifs appellent incirconcis, alors qu'il s'appelle circoncis, par référence à un signe que les hommes se font dans leur chair. Vous donc, rappelez-vous que ce que vous étiez autrefois. En ce temps-là, vous étiez loin de Christ, vous étiez étrangers et n'appartenez pas au peuple choisi par Dieu. Vous étiez en dehors des alliances fondées sur la promesse faite par Dieu à son peuple. Vous viviez dans le monde, sans l'espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former de ces deux races un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine, par la croix il a réuni les deux races en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Ainsi, le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous, les non-juifs, qui étiez loin de Dieu, et aux juifs qui étaient proches de lui. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'aide du même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes pas plus des étrangers ou des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Et vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes, vous aussi, la construction qui s'élève sur les fondations posées par les apôtres et les prophètes. La pierre d'angle en est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et lui permet de grandir pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres une maison dans laquelle Dieu habite par son esprit. Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Christ. Thank you.
10 de l'homme. Nul corps pour tout ce qui aspire à ce que justice parfaite et éclaire de la vie, y compris les populations indigènes partout dans le monde. Dieu te puissant, alimente ton cœur de véritable amour de la vie et guide avec la sagesse ceux qui prennent conseil de la nation de la terre, afin que dans la tranquillité, ton royaume grandisse. Jusqu'à ce que le cœur soit rempli de la présence de ton nom. Nous faisons notre prière en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Father Christ, we thank you for all persons of the good. Send your blessing, we pray, on all who seek to join your love, that in seeking you, they may find you. We pray particularly for all who seek to follow you in the path of Jesus Christ. Open their hearts to your love and their hands to your work, that they may be joyful in the gracious ages of your compassion. Often, dear deserving heart, you to do all their mercy on the great death is no more than our body of Christ. For dear lady, during the heal of the grave, darling lady, having lost me, charm of our deep past lost our way, Judith Esme, Fina Penny, Esther and our planet in the middle of our soul, and both in our day of cross and difficult knowledge to take his time. Tis a few of the day of the spirit of our class, to generosity or generosity, and the day of the day of the year of the world. Deus Vatim, Senhor, diante de uma guerra e de uma mulher, Criador de nós, da terra nossa, do juro e do grande. Tua vida que rodou a sua eterna, que rodou a nossa eterna, e nos abrou da sua, de tudo o alto de um dia. Vesta é a vida da minha vida, Gaudinho, a proteger o seu juro e se achar. Gaudinho, a vida de peixe, du mal, du toi, la dernière, notre salut, le rempart de notre